La porte, il fait trop froid. Non, non, allez, on vient, on fait l'intro, on fait l'intro 2. Il fait trop froid, mec. Allez, t'as qu'à mettre une veste, allez, vas-y. Salut à tous, c'est Amine et... Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, pour une vidéo assez lourde, on va dire. On va aller chercher une demoiselle qui recherche un mec mortel. Oh my god. Pour conduire cette magnifique bête. Il fait très froid, donc on va se dépêcher pour faire l'intro. Aujourd'hui, les gars, c'est simple, je vais laisser la RS3 à une... qui s'appelle Lisa, c'est une amie à moi en fait, tout simplement. On va aller la chercher, donc on lui a donné rendez-vous à la gare, donc elle a le permis bien évidemment. Depuis je sais plus combien d'années, on va lui poser la question. Je pense qu'elle arrive dans 15 minutes à peu près. Là je sais pas il est quelle heure, je sais pas si elle reçoit un message d'elle. Attendez, je vais aller voir. Elle m'a dit j'aurai un peu de retard. Donc Lisa, écoute, on arrive hein, j'ai envie de dire. Bon, il pleut donc on va pas trop la faire bombarder, on va dire. Tu savais pas qu'il y a un rappeur qui est en train de percer en ce moment sur YouTube là? Bah c'est un rappeur, il fait ça. Bah il démarre sur YouTube. Oh la vanne. Tu veux conduire? Ouais, vas-y. T'es sûr? T'as le permis toi déjà? Démarre ça 2 secondes. Bah mais attendez, parce que les gars, s'il a pas le permis... Regarde la couleur de mon permis. Ah oh, ouais, non, c'est bon, il a le permis. Il a le permis de 1930. Il y en a beaucoup, ils se sont foutus de moi parce qu'ils ont dit ouais... Tu conduis près du volant, voilà. Mais c'est pas vrai, hein, regardez. Je comprends pas ceux qui disent ça en fait. Mes genoux ne touchent pas du tout le tableau de bord. On va aller voir à la gare, on va aller voir si Lisa est arrivée. Alors elle a dit qu'elle aura un peu de retard, on a besoin de donner rendez-vous à Lisa à 13h. Il est 13h08, donc c'est pour ça qu'on se permet un petit peu de... De faire un imp. Comment ça se passe, Nico? Ça se passe très bien. Ça se passe bien. Bah, écoute, ouais. Ça se passe bien aussi pour moi. On sent que c'est du Volkswagen quand même, hein? C'est vrai. Volkswagen. Il a compris. Bon, bah, du coup, on va chercher Lisa et on se retrouve tout de suite. Et moi, je vous dis oh bye. Donc du coup on se retrouve avec Lisa. Bon malheureusement on peut pas faire l'intro dehors parce qu'il fait trop froid, j'ai envie de dire. Lisa, déjà comment tu trouves la voiture? Première question. Bah elle est magnifique, elle est vraiment belle. C'est très sport. Bah là c'est vrai qu'elle est très sportive, ouais. Présente-toi avant toute chose au babouin qui nous regarde. Je m'appelle Lisa, j'ai 19 ans, je viens de Nancy et je suis coiffeuse. En tant que coiffeuse tu dis que ça va pas du tout ma coupe? Bah franchement non. Elle me regarde aussi. Elle a dit. Les deux sont tristes quoi. Toi aussi. Ouais, elle m'a regardé, elle a eu un petit haut le cœur. Est-ce que t'as déjà conduit une boîte auto déjà? Donc, oui. Tu connais je pense des P parking, R pour reculer, simplement drive. Moi. Wow, l'accent, quoi. Bah, je parle un petit peu anglais, mais comment on dit recul en anglais, je sais plus. Reculing, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, c'est le pour mettre en mode sport et tout. Donc là, tu changes, tu mets soit en confort, soit en mode sport, soit en auto. Je te ferai tester les palettes parce que c'est vrai que ça, c'est un truc qui est vraiment stylé, les palettes. Je kiffe. J'ai déjà conduit une voiture automatique, mais pas aussi puissante. À ton avis, tu penses à la combien de chevaux? Je sais pas, j'ai pas roulé, je peux. Franchement, comme ça. Attends, je vais démarrer, tu me dis. Elle s'y connaît pas trop en voiture. 250. C'est une bonne évaluation, je trouve. Du coup, il y a 400 chevaux dessus. Ah ouais? Mais j'étais loin. Lisa, j'espère que tu sais conduire quand même. Bah oui, j'ai le permis quand même. C'est vrai qu'elle a le permis, elle est venue en voiture et tout hein. Bon, la voiture est assez chaude, je pense. Elle arrive pas à tenir la cam. Non. C'est bien. Je m'habille pas non plus, moi, sérieux. Nico, je sais qu'il est jamais serein. Allez, comment il est pas serein? Je ferai pas de blague pourrie sur les femmes au volant, je vous jure, je le ferai pas. Mais j'espère bien. Ouais, t'inquiète. Surtout qu'il conduit vraiment tout en souplesse. Je vois ça. Ouais. J'ai une conduite tout à fait normale, hein, qui respecte simplement le code de la route. Oui. Ouais. Du coup, bah pour te faire conduire, on va te ramener dans un parking. Un cimetière. Donc, comme j'ai dit, les palettes, tu vois, ce que je kiffe dans les palettes, c'est l'arrêt. C'est ce magnifique bruit, ce doux bruit, cette belle mélodie. Là, si t'entends un peu. Ouais, j'entends. Est-ce que c'est un bruit que tu supporterais? Ouais, franchement, ouais. Genre tu peux faire 400 km avec? Pas quand tu la mets en mode comme ça. Mais l'autre mode là. En mode silencieux, ouais. Ouais, c'est bien, tu le laisses 10 minutes. Et après. T'inquiète pas, t'auras ce plaisir dans quelques minutes. Elle en fait quand même. Ah ouais. Bon, du coup, les gars, Lisa, je te laisse la bête. Moi, je suis un peu gentleman. Allez-y, madame. Prenez place. Bon, c'est la première fois que je fais conduire une fille. Donc les gars, je dois vous dire que c'est un peu la panique. C'est la panique à bord. Pas de panique à bord, le son et la vitesse à bord, comme diraient les rats. Bah écoute Lisa,
Quand tu veux démarrer, tu peux démarrer. Faut que j'appuie. Alors attends, déjà, le pied gauche. Regardez, elle a mis le pied gauche, les gars, sur le frein. Nous tue pas, s'il te plaît, hein. Mais non, j'avais le pied sur l'accélérateur. Non, je vous jure, j'avais le pied gauche. Non, mais j'avais. Il y a pas d'embrayage. Toujours comme ça. Donc mais déjà non. Le pied gauche, vas-y, mets-le tout à gauche. Alors, voilà, sur ça, voilà. Là, le pied gauche, tu l'utilises jamais. Je passe mon permis. Alors, d'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, le panneau là-bas. Ouais, donc je disais, le pied gauche, voilà, tu laisses à gauche. Parce que si tu freines avec le pied gauche, on va se taper le pare-brise, c'est sûr. Je te laisse démarrer, donc faut appuyer sur le frein et en même temps sur start. C'est beau ? C'est beau. Et j'ai peur, les gars. Voilà, vas-y, freine un peu, teste les freins. Voilà, accélère, freine. Ça fait combien de temps que t'as le permis ? Un an. Un an ? Un an que j'ai le permis. Mais tu sais quoi, ça fait pas longtemps non plus, moi. Ça fait quand même un petit peu plus que toi. Ça fait 2 ans et quelques. 2 ans et quelques mois, je sais plus exactement combien de mois. Ah oui ? Ouais, seulement ? Ouais, parce que je l'ai passé en retard en fait. Tu vois, j'avais la flemme de passer le code. C'est pareil, le code c'est le pire. Le code. Je pense que tout le monde, la team code là dans les commentaires, est-ce qu'on est d'accord ? Le code c'est chiant. Franchement, le code c'est le plus dur. C'est le plus dur et le plus chiant surtout. Mais franchement, ça va, j'ai eu 2 fautes. T'as fait combien de fautes toi ? Moi j'ai loupé une fois, j'ai fait 11 fautes et la deuxième fois j'ai fait 4 fautes. Ah ça va, t'es une jeune permis on va dire. Ouais. T'es de la team jeune permis parce que jeune permis c'est 3 ans. Shit. Ah oui, ça change. C'est vrai que ça change. Tu roules quoi tous les jours ? Une C3 plurielle. C'est magnifique ça. Une C3 plurielle. Et c'est celle avec le toit qui s'enlève ou pas ? Ouais. Elle a pas peur les gars, elle a pas peur, ça y est. J'ai peur pour ma vie mais elle a pas peur les gars. Oh, pas du tout. Non, je vais te mettre le mode sport après, tu vas kiffer, t'inquiète. Parce que là pour l'instant t'es en mode confort. T'as mal un peu, t'as non, peur ça va. Non franchement ça t'as va. T'as pas peur ? Non, tout va bien, j'ai pas peur. Même pour une femme au volant. Ah ouais non ça vas-y va. Vas-y à gauche. Bon, du coup, Lisa, je vais te mettre le mode sport. Donc, pour mettre le mode sport, tu t'appuies ici. Descends le truc un petit peu, juste un petit coup. Voilà, hop. Et là, tu vois, si t'as remarqué, t'entends le bruit ouais. qui a un petit peu changé. Et c'est écrit S. Donc, c'est-à-dire que t'es en mode sport. Donc, tu peux te faire plaisir, taper une petite accélération. Donc, tu peux accélérer jusqu'à peu près au panneau, au poteau, puis tu freines. Oh, c'est beau. I keep it. Bon, c'est pas chez nous, on se permet de rentrer dans des trucs. Et ben, demi-tour validé. Easy les gars. Donc du coup t'as jamais conduit sportif, tu m'as dit. Et qu'est-ce que ça fait de conduire une sportive pour la première fois ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pourrais pas retourner dans la mienne, là je vais avoir du mal à conduire la mienne après. D'accord. C'est vrai que quand tu retournes dans une petite voiture, c'est un peu chaud. J'ai une petite voiture à côté, parce que bon, je vais pas prendre celle-là pour faire les courses et tout, mais ça change quoi. Oui, ça j'aime bien. Elle regarde bien à droite, bien à gauche, tu vois. Je tiens à dire que je me sens plus en sécurité avec elle qu'avec toi. Non, sérieusement. C'est vrai ? Je te jure que c'est vrai. Oh, arrête de voir. Mais toi, tu fais peur. Non, elle est prudente. Bon, là, Lisa, c'est ta petite ligne droite. Tu peux te faire un petit kiff si t'as envie de te faire un kiff sur cette ligne droite. Vas-y, tu peux y aller, y'a pas de voiture. Je retire ce que je viens de dire, mec. Je te jure. Ah ouais, là. Elle l'a poussé là. Plus fort que toi, gros. Je te jure. Là, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Est-ce que tu sens que tu vas vite avec la voiture ? D'accord, tu sens pas ? Non, tu sens pas du tout. Ouais, c'est vrai que c'est un peu choquant. Tu peux y aller, tu peux te faire un petit kiff. Non, on paye pas l'essence, on a les actions chez Total. Ah voilà. Nous, l'essence est gratuit. Tu sais que t'as envie de doubler. Ouais. Elle a envie de doubler là, elle a 40, ça y est, elle se sent plus là. Bon Lisa, dernier petit kiff, je veux te faire plaisir. Appuie à fond sur le truc. C'est chaud. Appuie sur la palette. L'autre. Oh merde. Ah bah. Elle a activé le lave-glace. Pas mal. Allez du coup. Tu peux te garer, tu appuies sur le frein ouais. Et tu mets P, tout simplement.
Bah voilà. Tu peux éteindre le moteur, je pense que tu sais hein. Alors, c'était comment? Franchement, c'était génial. Est-ce que tu sens que tu vas vite? Non, franchement pas du tout. Bah écoute, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Si jamais vous voulez d'autres vidéos avec Lisa, vous me le dites dans les commentaires. Ou vous dites tout simplement Lisa, on te valide. Et voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Lisa. Et puis voilà. Nico, est-ce que t'as un petit mot à dire? Je tenais à dire qu'elle conduit bien. Franchement, un an de permis, bravo. Peut-être qu'elle conduira d'autres voitures. Hein. Peut-être. Si j'ai des petites surprises en 2020, il n'y aura pas qu'une RS3, hein, j'ai envie de dire. Bon, du coup, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, merci à toi, Lisa, d'avoir participé à cette vidéo. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Non, franchement, elle est géniale. Géniale. Elle est géniale. Tu es génial. Nous sommes géniales. Vous êtes génial. Dans les commentaires, tout le monde est génial. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À vous abonner à nos Instagram. Donc, ils s'afficheront juste ici. Voilà, Instagram. Et à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis au bye. Au bye. Au bye. Au bye. Lisa, un petit mot. Bye bye. Bye bye.